Le maquis de Montmartre, enfin classé au terme d'une longue bataille juridique. Il a en effet fallu 15 ans aux riverains pour obtenir la protection de ce petit bois en haut de la butte. Mais aujourd'hui, ils ont la victoire modeste. Reportage Pascal Sceau, Claire Germouti. Toute sa vie, il a vécu dans le maquis. Il a résisté à l'ombre des grands arbres qui restent accrochés à tous ses souvenirs. Tout ce qui reste de la nature, de... C'est passé. Et c'était important pour vous que ça reste comme c'était? Ben, il y a 15 ans qu'on se bat là-dessus, c'est tout. Il n'y aura pas de béton sur les pavés, il n'y aura pas de parking souterrain pour mutiler les arbres. Jacques Fabry, comme tous les riverains, a la victoire modeste. Le projet de la ville de Paris avait été stoppé en août 1990. Aujourd'hui, il est définitivement enterré. Pour le comédien, qui habite ici depuis 26 ans, c'est la victoire d'une certaine idée de Montmartre. Écoutez, pourquoi je suis venu? Pourquoi les Japonais viennent? Les Allemands, les Américains? Si ça devient du béton, ils ne viendront pas avoir du béton. Là, ça va être immortalisé, ça, tu vois. Gagner une bataille n'est pas gagner la guerre, à Montmartre comme dans le reste du monde. Témoins les 9 victimes du maquis ou les arbres récemment abattus place du Tertre. L'association reste sur le qui-vive. Elle réclame, pour toute la butte, le classement en lieu protégé et une concertation renforcée avec la ville qui veut modifier le statut de Montmartre, vieux de 30 ans. Montmartre est en proie à n'importe quelle opération promotionnelle et qui est financièrement un peu intéressante, et elles le sont toutes dans ce quartier-là, et puis c'est tout. Sans parking et sans opération immobilière, le maquis respire mieux. Alors pour le stationnement, il faudra trouver une autre solution.